Chers amis, pendant ce moment particulier, j'ai envie de vous présenter une très belle pratique de Qigong traditionnelle qui nous aidera à booster l'énergie immunitaire. Cette pratique s'appelle les 8 pièces de Prograde. Je vais vous montrer une action de style du Nord que j'ai beaucoup développé. J'aimerais bien vous expliquer mouvement par mouvement afin que vous pouvez pratiquer avec moi tous les matins. J'ai mis aussi un mantra pour faire appeler une déesse, c'est quoi une poussa, qui est là pour nous aider à traverser toujours les catastrophes, pour sauver des vies et des vies. En pratiquant ce qigong, en méditant avec ce mantra, nous allons diffuser notre amour dans le monde. Nous allons faire circuler l'énergie dans nous-mêmes. Et souhaitons aussi donner à tous les êtres qui ont besoin en ce moment. Commençons d'abord par les bases de Qigong. Détends les épaules, le coude et les poignets. Le bassin en juste milieu. Imaginez une file qui est alignée, suive la colonne vertébrale jusqu'à la tête. Commençons toujours par un profond inspire en poussant les pieds au sol. Enracinons avec la terre. Quand les bras descendent, toujours expirez. Les bras montent toujours. Inspirez. Quand je posais le triangle devant mon ventre, c'est les deux pouces joints sur le nombril avec majeur joint sur le grand point arrière originel qui nous permettent de ressourcer dans notre énergie originelle. C'est pour cela que je commence toujours en mettant mes mains en triangle sur mon bas ventre et finis souvent les mouvements avec ce triangle, soit dans le dos, soit devant le ventre. C'est ce qu'on nomme en qigong traditionnel Dan Tien inférieur.
Je vous invite de soulever les talons à la fin de chaque mouvement en inspirant profondément, contractant la voie du céréale, l'anus. Ce faisant, permettre d'amener l'énergie jusqu'au tréfonds de votre énergie des reins, lié au point l'union yin et porte de la vie, portail de l'esprit, pareil, originel. C'est pour cela que beaucoup de gens pratiquaient le Qigong depuis des longues années. On aura un souffle de plus en plus profond, une énergie immunitaire de plus en plus forte. C'est un mouvement que j'aime beaucoup parce qu'on commence d'abord par prier le ciel, la terre pour nourrir notre énergie de l'homme. Les deux mains levées vers le ciel pour contacter l'énergie céleste. Les deux mains descendent presque touchant la terre pour cueillir l'énergie de la terre. Et vous montez au centre de l'homme sur le point centre de poitrine, Tan Zhong She. C'est pour entrer dans l'énergie de l'homme. Bien enraciné, les bras bien lancés, surtout étirés sur le nerf, car l'annulaire, c'est la lignée de méridien qui place au vent. Les trois foyers. Inspirez profondément. Expirez profondément. Surtout lâchez jusqu'au bout votre respiration en étirant bien jusqu'au bout des doigts. En faisant ça, votre respiration prolonge et anime la circulation des méridiens. Les trois feuillets, le premier c'est feuillet inférieur, investit, feuillet médium, foie, rate, pancréas, estomac, feuillet supérieur, poumon cœur. C'est un mouvement qui vous permet de éveiller ces organes et entrailles. Tous les matins, commençant par ce mouvement, en fait, on le fait naturellement nous-mêmes et tirer à bon coup en levant les mains au ciel. 左右开弓，四泻雕. C'est un mouvement qui travaille essentiellement sur le méridien du poumon ou intestin et surtout l'énergie des reins, le début de énergie immunitaire. Avoir une énergie des reins costaud, bien sûr, c'est les pieds. Les liens des reins commencent par le plan des pieds. Le premier point des reins, source jaillissant, c'est un trois quarts de plan des pieds dans le creux. C'est pour ça, inspirez. Pousse avec les cinq orteils. Atteint ce point. Pose bien les talons. Avant de pencher, inspirez profondément pour pouvoir baisser, pencher.
Attirez, expirez. Comme si vous voyez vraiment une flèche qui est bâtie, visée sur l'air. Ça travaille les yeux aussi, regardez bien, très loin, suivant le trajet des flèches. Tiaoli, piwei, chu dan chu. C'est un mouvement qui travaille très bien le méridien de la rate et l'estomac. Énergie postérieure, comme on dit en médecine chinoise. Deuxième élément très important pour l'énergie immunitaire. Les pieds bien écartés, poussez très bien avec vos gros orteils sur le sol. Gros orteils sur le démarrage méridien de la rate. Poussez bien avec vos orteils. Inspirez toujours avec les pieds. Je vous montre une autre version plus simple. Inspirez pour commencer. Poussez bien les orteils. Enfoncez bien le talon dans le sol. Expirez. Poussez bien les mains au ciel. L'autre main vers la terre. Toujours sur le ciel et la terre. Nous, on est entre les deux. La respiration profonde qui vient du pied permet d'aligner tout le trajet des méridiens. Du pied jusqu'en haut, de haut jusqu'au pied. Entre main à gauche et à droite, vous retrouvez le centre encore mieux. L'énergie de la hâte, c'est l'énergie du centre. N'oubliez jamais, tout notre corps est axé par le vaisseau, de haut en bas, de bas en haut. Les mouvements de Qigong, c'est faisant des gestes en haut et en bas, à gauche et à droite. Inspirez et expirez pour permettre la circulation. Inspirez profondément. Expirez profondément. Lao qi shang wang hou qiao. Ce mouvement qui est capable de nous enlever les symphatiques, les sept efficiences des émotions, bien sûr, dedans, il y a beaucoup de secrets, beaucoup de finesse. Des rotations vers l'arrière, les yeux regardez le talon. Quand on est à droite, en regardant le talon gauche. Quand nous tournons à gauche, les yeux regardez le talon côté droit. Je vous propose de bien étirer les cinq doigts, pousser le poignet aussi jusqu'au bout, amener l'énergie sur les points précis. C'est les quatre points dans les mains de merveilleux vaisseau, point clé de merveilleux vaisseau. Et les pieds, c'est étant bien le quatrième et cinquième orteil, soulever légèrement, aussi l'autre côté, soulever le gros orteil pour atteindre quatrième point de la hâte, Gong Shen Shui, pour le merveilleux vaisseau Cheng Mai. C'est un des mouvements que j'aime le plus. Vous pouvez imaginer croisant les deux poignets, les deux points barrières internes, barrières externes, c'est la meilleure énergie de protection. Vous voyez, ce mouvement, c'est comme si vous êtes là pour vous protéger. Yao Tou, Bai Wei, Jiang, Xin Guo. L'énergie du cœur est très importante pour les autres énergies. Que c'est l'organe empereur. Mais si le cœur est rempli
de agitation excessive, l'angoisse. On nomme dans la médecine chinoise le feu. C'est quand vous ne dormez pas, vous avez le bout de la langue rouge, très rouge, vous avez le feu du cœur. Ce mouvement, ça va abaisser votre feu, votre énervement, agitation mentale, pour bien dormir. Pour y arriver, bien sûr, c'est mobiliser l'énergie des reins pour calmer le feu. C'est l'élément l'eau pour calmer l'élément le feu. Faites tourner votre colonne vertébrale comme si vous faites essuie-glace de votre voiture, de tête jusqu'aux fesses. Les points, c'est à partir de coccyx, premier point de Douma, vaisseau-gouverneur, jusqu'à 20e point de Douma, sans convergence, par Rocher, point lumineux et Nadia. Inspirez pour démarrer le cercle. Expirez, lâchez des dents jusqu'au bout. Encore inspirez, démarrez notre cercle. Regardez le talon de derrière. Vous tournez à gauche. Et regardez le talon droit. Mais attention, ce moment, il faut les pieds bien écartés et parallèles. Enraciné, ressourcé énergie, comme un arbre qui retrouve ses racines. Ce moment, si vous ne pouvez pas vraiment tourner comme ce que j'ai fait, faites-le petit à petit, ne jamais forcer. Liang shou, pan zhu, gu shen liang. C'est un moment qui travaille l'énergie des reins ici. Je lie les deux tions d'énergie des reins. Dans le dos, posez aussi les deux pouces joints. Vous savez, tiang qui traverse les points Ming Men She, porte de la vie, barrière de l'orbe Yang. Et le vent, c'est poser les deux pouces joints sur le nombril. Barrière originelle et les deux points à côté sur le méridien de l'estomac, pivot céleste. Si vous voulez avoir une énergie vitale forte, une énergie immunitaire forte, ces deux tions doivent être constamment reliés. Imaginez ces deux tions constamment respirer ensemble. Inspirez, expirez comme s'il y a pont à la respiration. Il y a énergie, le sang, toujours relié ensemble. En faisant doucement, moins énergétiquement que le mouvement précédent, vous pouvez faire circuler calmement, doucement, en caressant sur les deux méridiens. Ça travaille les muscles d'endroit avec des points qu'on lance. La force vitale vient de l'énergie des reins. J'ai filmé aussi le dos parce qu'il y a le trajet de méridien de vessie, tous les points de transfert des 100 organes 6 entrailles, c'est sur ces méridiens. Le dos est extrêmement important pour l'énergie yang, c'est une protection d'énergie. Pensez toujours à bien masser le dos. Entre chaque vertèbre, il y a des points. Travaillez la hanche, sachant que les points dans la hanche, ce sont des points qui jouent un rôle extrêmement important pour les os. Le début des os, on dit dans la médecine chinoise. Touchez avec vos mains. En bas des fesses, après milieu derrière le genou, à 6 centrales, le mollet, soutien de la montagne, suivez la lignée jusqu'à petite orteil. C'est tout le trajet de méridien de vessie, le mari de méridien des reins. C'est le couple
mari et femme. En montant devant sur les cuisses internes, c'est méridien-dérin. Autour de cheville, début de mollet jusqu'au ventre, le tirant du ventre. Pour rejoindre le tirant derrière, vous les liez ensemble. Shen quan lu mu zheng qi li. Regardez avec les yeux de la colère, sortir énergie colérique. Ce mouvement toujours bien enraciné. La force vient de votre ventre, vient du point, l'océan de souffle tirage, vient du point barrière originel, guan yin shen, dan qian inférieur. Lorsque vous prenez, veillez à bien écarter les pieds afin d'être stable sur vos appuis au sol avant de lancer les pointes. Bien inspirez profondément jusqu'aux pieds, après jusqu'au ventre. Comme ça, vous avez la force. Vous faites tourner tous les doigts, le poignet, ramenez l'énergie dans la main, ramenez à côté du corps, sur les deux points importants du méridien du foie, Jiangmen Shui, porte de bois précieux, Guan Yin Yong des cinq organes. Après, c'est sortir les poings. Vous tapez sur les deux côtés en faisant vous renforcer les muscles d'endom et les os. C'est toujours en expirant qu'on tape, qu'on sort jusqu'au bout le poing. Inspirez, enracinez avec les pieds, le ventre pour avoir énergie. Et après, ça en expiration. Le coup de poing.背后吃点白病消。 Dernier mouvement de cette belle série, c'est faire 7 tremblements du pied jusqu'à la tête pour libérer toutes les tensions, toute l'agitation de mental. Laissez les vaisseaux retrouver sa cour naturelle. Détente, c'est la meilleure pratique énergétique. Pour atteindre ce moment de détente, le tremblement, c'est le mieux. Trembler pour défaire toutes les tensions. Trembler pour oublier les inquiétudes, les angoisses, les soucis. À la fin de chaque mouvement, je vous rappelle, inspirez, soulevant légèrement le talon, contractant
légèrement la voix de Seria. Expirez détente. Inspirez d'abord, comme si vous faites monter l'énergie jusqu'au sommet du crâne. Après, détente. Lâchez sur le talon à la fin. Inspirez en montant sur les orteils. Visualisez comme un ascenseur qui monte jusqu'au sommet du crâne. Expirez. Lâchez sur le talon. Allez entièrement lâcher. Lâchez prise. 7 fois de suite. Prenez votre temps. Entrez entièrement dans le bonheur de détente. Détente. Détente dans la profonde expiration. Lâchez jusqu'au bout. Nous allons maintenant faire la série ensemble. Je vous ai présenté les mouvements dans l'ordre de la tradition. Suivant mon énergie du moment présent, j'ai inversé le 7e et le 6e mouvement. Je vous encourage à sentir vos besoins et prendre le plaisir d'avoir votre propre fluidité. Le titre de ces pratiques Bai Duan Jing, daté plus de 1000 ans, veut dire 8 pièces de poterie précieuse. Cette beauté de fleurs au printemps nous invite à transformer la convoitise en générosité. L'angoisse en sérénité. La tristesse en joie, l'orgueil en humilité, le doute en confiance, la colère en compassion, la peur en courage, la haine en amour. L'enfer en paradis. Cela demande beaucoup d'énergie, de conscience et de sincérité. Pour y arriver, je suis convaincu que le Qigong, la médecine traditionnelle chinoise et la méditation sont le chemin. C'est avec plaisir que je vous accueille au centre pour approfondir cet ensemble avec moi.